les Picos de Europa, massif le plus élevé de la cordillère de Cantabrique. Ils sont situés entre les provinces des Asturies, León et Cantabrie, à une trentaine de kilomètres de la mer. Ils culminent au Torre de Sorredo, à 2648 mètres d'altitude. Nous allons rejoindre le sommet qui est à 2000 mètres d'altitude par un téléphérique. Et d'après nos sources, il y a pas mal d'accessibilité là-haut puisqu'il y a des pistes 4x4 qui sont un peu carrossées. Donc normalement avec la freewheel, on devrait pouvoir se débrouiller pour faire un petit bout de chemin. Allez, qu'est-ce que vous avez vu du téléphérique, hein? Non, adapté, mais alors la côte là. Voici arrivé en haut du téléphérique, mais ce n'est que le début d'une longue ascension. Grâce à la freewheel, nous commençons l'ascension. Cette troisième roue fixée à l'avant du fauteuil nous permet d'avoir un meilleur équilibre. Voilà, 1800 mètres d'altitude. On le sent passer. Les montagnes, le cirque de l'autre côté, c'est un sacré défi, mais voilà, on y est arrivé. On a eu une belle solidarité quand même pour arriver jusque là. Ouais, nous faut. Qui nous ont aidé à monter les côtes assez raides pour accéder jusqu'au plateau des Picos de Europa. Les côtes sont raides, mais c'est accessible.